Bonjour le Krogistan et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Total War Warhammer 2, toujours avec nos hommes lézards adorés. Voilà, passe ton tour. Donc il nous reste 5 tours. Ouh. Il nous reste 5 tours pour la fin du rituel, on est bien. Par contre, je vois que la lanterne est au même niveau que moi. Je pense que je vais lui balancer une force d'interception ou je sais pas quoi. Ouf, non. Oh, tu saoules, toi. Le fameux groupe d'aventuriers elfes hein, qui cherchent toujours quelque chose à faire. Je sais pas, ils doivent pas avoir de maison, ou je sais pas. Je sais pas ce qu'ils foutent, là. Par contre, après, il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire avec Popiette. Hein. Il va pas rester là 120 ans, mais j'aimerais bien le voir sur un champ de bataille, le faire devenir un vrai grand sorcier, tout ça. Harry Popiette à l'école des sorciers. Alors, qu'est-ce qu'on peut te recruter, toi? Ah, y a que du global. D'accord. Ok. Et donc, à Belle Alliade, tu peux pas... Donc lui, il a son bâtiment de garnison. On va lui faire un bâtiment en pognon. Si... Lui, il devrait pouvoir recruter, par contre. Ouais. Proxigor. Allez. Un petit croxy. Bon, du coup, au niveau de la tour d'or, c'est ça? On va pouvoir se faire une belle bataille, là. Ouais. Là, regardez, ça, c'est une armée de garnison, quoi. Rien que ça. Allez, c'est parti. Ouais, ça devrait être une belle bataille. Une belle baston. Ok, bon, 18. Ouais, 18, on va garder. Alors, montre-moi. Ah, c'est rigolo, ça. C'est rigolo, regardez. On est face à face, et chacun d'un côté, on va avoir une armée de garnison, enfin, de renforts qui va nous tomber dessus. Ça, hein. Ah non, on peut carrément aller là. On sera à couvert, en plus. Parfait. C'est quoi ça? Des gadons bénis? Ouais, c'est un ancestral. Alors, tout ce bordel là. Tout ce joyeux bordel, on va le mettre là. Bon, on va les déplacer là, on verra après ce que ça donne. Alors, on raconte un peu. D'accord, ensuite ici. Ici c'est un peu... Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je vois pas trop... les icônes sont trop petites, quoi. Sans déconner, c'est le bordel. Hop. Hop. Ouais, arrête d'avancer, toi, tiens. Tape là-dessus, plutôt. Ici, ça devrait pas être très long, hein. Franchement. Ça devrait être assez rapide. Deux fois, je me trompe.
Des fois je me trompe avec contrôle et shift. Tu tires ou pas toi alors? J'ai l'impression qu'il fait pas grand chose. C'est quoi ça? Ok, ça marche. Bam bam bam, d'accord. Ces unités là, il y en a trop, au secours. On va pouvoir se taper la cavalerie. Lui, bah je sais pas s'il a envie de tirer. D'un côté, il est à l'ombre. Hein. Pour capter les rayons du soleil quand t'es à l'ombre, c'est chaud. Merde. Oh, ici c'est fini. Non? Ah non, non, non. Ah bah, je suis content. Ma cavalerie a contourné l'armée adverse. Le temps de contourner, il n'y a plus d'armée. Merde. C'était pas prévu comme ça, bordel! C'est qui lui? C'est qui toi? Ok, super, nickel! Hop, tout ça là-dessus. Ça, c'est quoi ça? Mais il est tout seul lui! Ouais, ça va, il est tout seul, il le vit bien. Voilà, Stegadon ancestral. Je vous le présente plus. Boum, ça, ça marche. Tout le régiment, là, toute l'armée, là. 18 tonnes de Saurus qui te tombent sur la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire là? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et tout ça, c'est cool. Ma cavalerie. On va la faire charger là dans le dos. Mon artillerie qui. Ouais, je sais pas. Ça doit être bien. Mais pas aujourd'hui. Là, ça peut être pas mal ce tir d'artillerie, tu vois. S'il tire. Donc, par contre, arrête un peu de faire le con avec ton héros, là, parce que... Ah, pas mal. Ah, il a fait un beau tir, là. Il y avait de la puissance et tout. Le problème, c'est qu'il a visé une taupe. Et tout ça, ça fuit. Hop. On va taper dans le fion du 3-4 escapés qui restent. Ça, c'est mes skinks qui vont leur faire un petit bobo. Ouais, non, je sais pas. Je sens qu'ils veulent bien faire. Enfin, que mon artillerie veut bien faire là, avec le rayon solaire. Je sens qu'il y a de l'envie quelque part. Mais non, quoi. Ah! Il a touché quelque chose. Est-ce qu'il a tué des gens, ce truc-là? 19. Ah, si. Là, il en a tué 4 d'un coup, quand même. Non, ça marche bien, mais il était mal placé, il était en contrebas, tout ça. C'était pas facile. Il a fait de son mieux. Non, et puis alors, l'avantage de cette pièce d'artillerie, c'est que même une fois prise au corps à corps, c'est pas perdu, quoi. C'est-à-dire, même au corps à corps, ça se défend, le machin. C'est un pastilladon, quand même. Ok, parfait. Alors, ouais, niveau 2.
Bon bah on va aller sur l'attaque éclair, malheureusement on va passer 15 niveaux à aller chercher l'attaque éclair. Précision. Ok, recherche disponible. Revenu des cités plus 15%. Tous mes bâtiments là, tous les gros bâtiments, ils génèrent des thunes. Ils vont tous générer 15% supplémentaires. Ça va être de la folie. Ça c'est bien. Krogar, encore 2 tours, je pense. 3 tours. C'est bien ce que je disais. 3 tours. Lui recrute aussi. C'est parfait. Donc là, je suis en train de monter 2 armées dans le nord. Une fois le rituel accompli. Ouah, quoi que non, Popiette, on va le laisser au sud. Parce que j'ai encore un rituel à faire après. Donc, mes 3 armées en garnison, je vais en avoir besoin pour la suite de l'aventure. Pour la suite du rituel. Donc, non, Popiette va rester en garnison encore, malheureusement. Ok, faut bien suivre les mouvements de Styrgos là parce que... Oui, il continue à attaquer, c'est normal, hein, c'est... Ils ont rien d'autre à faire, c'est pas une faction, c'est juste des unités qui sont là pour attaquer pendant le rituel. Même si c'est perdu, ils vont attaquer quand même. Oh. Ah bah voilà. En recrutement global, il y a du boulot. Ça m'étonnait, votre connerie. Alors. Voilà, ça c'est cool. Ah bah du coup, Krogar va pouvoir... bah voilà. Là, je vais attendre les 2 tours pour ça. Ensuite, paf, je vais me mettre là-bas en déplacement rapide. Et derrière, on se recrute. Ça va être là. Ça va être la fête. Alors, la tour d'or. T'es où? Ok, il nous reste 3 tours. Il nous reste 3 tours. Il nous reste. Est-ce que vous pensez qu'on va se refaire attaquer quand même? Moi, je vois bien une dernière force d'interception, une dernière force elfe quand même. Quoi? D'accord. Donc, il a une capacité passive qui enlève 24% de vitesse et 22 points de défense à toutes les unités volantes. Ouais. Bon. Je sais pas. Oui, non, oui, c'est bien, oui. Les dragons, tout ça, c'est cool, ouais. Je sais pas. Je suis pas persuadé du délire là. Je suis pas persuadé parce que, en plus c'est de la défense en mêlée apparemment. Ou c'est de la défense globale. Bon, on verra bien. Mais ouais, si pour descendre les dragons, ça peut-être être intéressant. Je dis bien peut-être. Mais encore faut-il avoir des archers, des trucs comme ça, parce que sinon, bah, le dragon il va pas tomber tout seul non plus. Faut pas déconner. Voilà, on dévalise Belle Aliade. Mm-hmm.
D'accord, bon, y a pas grand chose à faire, hein. Là faut attendre un petit peu. On est en recrutement de tous les côtés, il nous reste deux tours pour le rituel. Et on est déjà à un tiers pour le dernier rituel, donc ça avance bien, ça avance tranquillement. J'attends la fin du rituel avant de déclencher, enfin de déclencher, de reprendre les hostilités avec, avec les factions du Nord. Ok, dernier tour. Alors. Bon, bah nous voilà avec deux stégados ancestrales sur Krogar. Ça, c'est vraiment cool. Franchement. Est-ce qu'on irait pas plus vite en prenant la mer? Alors attends, comment on fait? Y a pas un bouton, normalement tu cliques et puis ça te dit jusqu'où il va. Ah, faut rester appuyé. Alors, quel nombre de tours? Ça va être long. Ah, tu sais quoi, on va passer par la mer, je pense que c'est mieux. Je me trompe peut-être, mais... Ah bah, il reprend la terre. Vas-y, 1, 2, 3... 2... Ah bon, y aller par la terre. Mais je pense que j'ai... Ouais, si, on a dû gagner du temps, quand même. J'en sais absolument rien. Ah, merde. Je vais pouvoir faire des gardiens du temple ici dans pas longtemps. Bon. Ça, on l'a déjà... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ici? Eh, ouais, non, mais c'est pas que je veux pas, mais... J'ai l'impression que c'est les bâtiments qui sont jamais utilisés, ça. Ça oui, ça c'est, voilà, le bâtiment de garnison, les bâtiments de pognon, ça c'est utilisé. Ça y a pas de problème. Et là, voilà, il va être intéressant. Celui-là, il peut dégager. Ici, on va se faire un truc, un pylône géomantique, voilà. Et voilà, tout ça c'est cool, ça c'est bien. Royaume des Bates. Ah bah attends, ah oui, alors là, très important. Très important, il nous faut notre bâtiment de garnison, c'est clair et net. Ensuite, là tu peux tout construire déjà. Ça peut dégager. Du coup, si ça dégage, on va pouvoir se faire un autre bâtiment du... Ah, j'ai pas de sous. Bon, allez, passe ton tour. Je suis pas en guerre contre eux, alors. Les Nécrarques, on n'est pas en guerre. Et ils sont où, mes alliés? At your service. Ils ont trois colonies, ces trois-là, c'est ça? Et t'es en guerre avec qui, alors? Il est en guerre avec les Nécrans. Intéressant. Bien. Lord of Athaloran. Et moi, je suis en guerre contre... Oh là là, ah non, ça c'est lui. Dégage. Je voudrais mes guerres à moi, moi. Statut diplomatique... Ah non. Donc les Nécrarques, alors eux c'est allié, les Nécrarques là c'est neutre, donc je suis en guerre contre eux et eux. Mais de toute façon les Nécrarques ça va partir en couille. Hein. Obligatoirement. Ils sont où? Yes. Ah, ils sont là, on est à... Oh, moins 20. Moins 20 c'est pas fou, hein, c'est pas fou. C'est qui lui? Sans ancien Saurus. Ouais mais non, c'est un général d'armée lui. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est du global. Non, ça fait chier le recrutement global, ça embête les autres en fait.
Bon, bah là, on devrait finir notre rituel, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Chevalier noir, oh là là. Des loups. C'est des horreurs de crypte, ça? Ouais, je suis foutu. Je suis foutu. Les renforts, ils arrivent par où? Ah non, j'ai déjà tout le monde. Allez, on va essayer de se faire les piafs. Là-bas, on a de la cavalerie, on veut tuer, en voilà, c'est cool. Ah, hop, on va envoyer des javeliniers là-dessus. On va essayer de balancer des troupes là-bas. Ok, les clébards, ils sont pas forcément. Pas forcément cool. Là, j'envoie des lanciers dans le dos des horreurs. Ok. Mon boss en plein milieu de la mêlée toujours. J'ai une cohorte skin qui s'est fait déboîter par les chevaliers noirs, c'est normal, hein, c'est complètement normal. Ah, tout ce qui est chauve-souris, ça tombe comme des mouches. Il y a le chevalier noir qui se prennent des javelots dans la tête et qui bouge pas, c'est cool. C'est toujours sympathique. Toi, tu fais rien, c'est ça? On va essayer de passer derrière avec eux. Dépêche-toi, dépêche-toi. Obéir aux ordres là. Oh! Et on va envoyer ça sur les cavaliers là-bas. Là, on peut taper dans le feu, dans le. Je vais dire dans le fion. On peut taper dans le flanc. Je sais pas s'ils vont faire grand chose avec leur. Je sais pas, ils doivent avoir. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi? C'est des lance-pierres, hein, c'est ça? Ah non, c'est des javelots quand même. Ils font tellement pas de dégâts, je croyais que c'était des lance-pierres. Il est où mon. Ah, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Ouais, pour l'instant c'est kiff kiff. Je sais pas trop comment ça va tourner. Ça tourne mal l'explication ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant c'est. Sur le flanc gauche c'est pas mal. Non, c'est le flanc droit plutôt, mais sur ce flanc, voilà, c'est pas mal. On va essayer de donner un coup de main dans la mêlée là-bas. Mon général il s'en sort, t'inquiète. En plus j'ai encore son soin, hein. Faut juste pas que je l'oublie quoi. Mais je peux encore le soigner au cas où. Donc ça devrait être pas mal. Là je peux mettre là pour bombarder un petit coup.
Hein, quoique j'ai beaucoup de... Non, j'ai trop d'unités. Il y a trop d'unités à moi pour que je bombarde. Pourquoi vous tirez pas? Faut y aller, hein, faut y aller. Vous allez faire un peu de FF, mais... Oh, quoique, tiens. Ça, c'est plus safe. T'as raison. Non, mais t'as raison. Là, les chevaliers noirs, ils sont morts. Là-bas, on est bien. Non, mais c'est bien. On est bien. Même si j'en ai pas besoin, je vais me mettre mon soin. Comme ça me fera un peu moins de soins à faire entre deux tours, entre deux batailles. Le seigneur ennemi est blessé, c'est parfait, c'est le GG, c'est la victoire, bravo. Clap, clap, clap. Enfin, je vais tenir Belial avec une garnison de skink, quoi. Bon, il y a le bâtiment de garnison qui m'aide, bien sûr, mais quand même. Allez, rentre chez toi, toi. Hop, dégage, dégage. Et c'est pas la peine de venir. Oui, est-ce qu'on peut faire la paix, machin? C'est mort, c'est foutu, mon gars. Lol. Ah! Pneumatique! The lines of power were interrupted. Whether by fate or design, the cure remained the same. Clear the debris, and like the great rivers of Lustria, the energy will flow once more. Progress has been made. Yet the final tranche of hidden knowledge lays locked behind a door. A key must be found. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ok les amis, donc on a fini le quatrième rituel, plus qu'un, c'est cool. Encore 1100 plaques à faire. Et on fait combien de plaques par tour? Oh c'est tout, 45. C'est fait. Alors, Krogar, hop là. Qu'est-ce que tu peux te recruter, toi? T'as pas de cavalerie, t'as rien. C'est la dèche, là-dedans. Un Croxy. En plus, ça prend qu'un tour à recruter. Je voudrais bien... un truc. Ouais, comme ça on pourra faire un peu de dinosaures, c'est bien. Temple des crânes. Bon, là tu peux me faire... Oh, merde à la fin! Au début aussi, mais... Enfin, merde, quoi. Je peux pas faire un crédit ou... Bon, ce qu'on va faire, on va prendre Popiette. J'ai envie de jouer Popiette. Donc Popiette, on va l'emmener là. Ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, Lislat, on va l'envoyer à Teotica, machin, tout ça. Voilà. Sa Popiette, il va être sur le front, ce sera plus marrant. Alors, Kamotor, le chef skink. Précision. Graoul, le fervent. L'ordre des maîtres du savoir. Ça claque, hein, putain. Imagine ta faction, l'ordre des maîtres du savoir. Donc Nagaronde, ça veut rien dire. Oh.
Ok les amis, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, le rituel avance et ça c'est cool. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me faire plaisir, à t'abonner si c'est pas encore fait et bien évidemment à partager, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux à voir mes conneries. Des bisous, amuse-toi bien.